Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cet angle très spécial. Aujourd'hui on est le vendredi 15 janvier et ça va un peu mieux. Je vous raconterai ma journée d'hier tout à l'heure. Mais clairement, genre la journée d'hier ne s'est pas du tout passée comme prévu. C'était ouais, c'est nouveau, insupportable. Mais c'est pas grave, aujourd'hui ça danse être une journée. En mouvement, puisque j'ai plein de choses de prévues en fait. Enfin, il y a plein de choses que je dois faire. Déjà, je vais commencer par me lever. Ah, parce que ça fait 2 heures que je suis réveillée, que je suis dans mon lit et tout, et que je me lève pas parce que j'ai pas envie. Premier point sur mon vrai programme d'aujourd'hui, c'est ranger et nettoyer mon appartement. Étant donné que hier et avant-hier, j'étais un peu dans. Ouais, voilà. Une émotion négative, et eh bien quand ça arrive, eh ben, mon appartement ressemble à mon intérieur, c'est-à-dire dégueulasse. Donc je vais devoir faire ça. Ensuite, à 10 h, il y a quelqu'un qui vient pour acheter un des trucs que j'ai vendu sur le Bon Coin. Et ensuite, vers 14 h, 14 h 30, un truc comme ça, je dois prendre le train pour aller dans la ville d'à côté, donc cette fois-ci à Erfurt, donc de l'autre côté. Et là, je dois aller récupérer des plantes. Yes, j'en ai acheté hier aussi parce que c'est la seule chose qui me réconforte. Donc, quand ça va pas, j'achète des plantes. Et du coup, je vous ferai un petit haul plantes aussi plus tard dans la journée. Et ce que j'ai aussi pas fait hier, sous couvert de prendre une journée pour moi, c'est bosser. Du coup, genre, j'ai encore 2 chapitres à rattraper d'hier que j'ai pas lu, donc aujourd'hui je vais devoir en faire 4. Ah oui, et j'ai oublié un truc. Je dois aller amener plusieurs colis. Je dois en amener un pour mon voisin, en contrepartie que j'utilise toujours sur internet, et un pour mon frère, et un pour un autre truc que j'ai vendu sur le Bon Coin. Donc, je vais devoir faire ça aussi. Et finalement, je dois aussi aller chez le gynéco parce que du coup, je dois prendre un rendez-vous chez lui. Et il m'avait dit la dernière fois, genre, à quel jour de mon cycle je devais prendre un rendez-vous, mais j'ai oublié. Et du coup, je vais aller juste le voir aujourd'hui, lui redemander quel jour il veut me voir. Comme du coup, maintenant mon cycle a commencé, ça veut dire que probablement dans environ 10 jours, 2 semaines, je vais devoir aller là-bas. Bon, moi, je vais déjà me lever parce que clairement, c'est pas tout ça. Mais toutes les choses que j'ai prévues, elles vont pas se faire de mon lit. Toi non plus, t'as pas envie de te lever. Regarde comme elle est chiant, elle est trop adorable. Bon, allez. Trop dehors, c'est parti. Par contre, attendez, parce que là, ça va pas. Bon, c'est déjà un peu mieux. Alors, donc,
Moi, je sais pas combien de temps ça a duré pour vous là. Pour moi, en tout cas, ça a duré 3 heures parce qu'il est minuit 23. Clairement, il y avait besoin de faire un petit rangement de l'appartement, rangement de l'âme aussi. Parce que à chaque fois que ça va pas, mon appartement il est en bordel. Et du coup, quand je veux que ça aille mieux, il faut d'abord que je m'occupe de mon appartement parce que c'est un peu symboliquement s'occuper de mon intérieur et nettoyer mon intérieur. De base, j'avais réfléchi à bosser là maintenant, mais je me suis dit que c'est un peu bête parce que je dois partir à 14h30 et du coup, si je bosse maintenant, ça va me prendre les 2 heures et je sais pas quand je vais rentrer. Et du coup, je sais pas si tous les trucs que je dois faire après, ils seront encore ouverts. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais sortir, enfin m'habiller chaudement d'abord, et puis sortir avec le chien et puis aller en gros descendre la rue et aller déposer les colis que je peux déposer parce que j'ai pas encore les adresses de tout le monde. Mais au moins ceux dont je les ai, je vais aller les déposer. Celui de mon voisin aussi. Je vais aller récupérer un colis qui a été déposé pour moi, qui n'a pas été déposé chez moi, bien évidemment. Et ensuite, je vais... Ah oui, non, mais attends, parce que je ne peux pas faire mon rendez-vous chez le gynéco avec le chien. C'est problématique. Bah du coup, je reviendrai de ça. Et puis, je prendrai le bus. Et j'irai chez mon gynéco et je ferai mon rendez-vous et puis je reviendrai. Ok. Oh, j'ai pas de scotch. Du coup, je peux pas scotcher mes colis. Mon voisin, il est pas là. C'est lui qui a le scotch. Je suis tellement dépendante de d'autres personnes par moi, c'est fou. Ça m'a fatiguée. Je crois que je vais d'abord manger un truc parce qu'avant ça, je peux rien faire. Ok, bon, bah, je vais manger quelque chose. Et puis ensuite, là je vois que mon énergie elle est redescendue complètement. Là je suis vraiment léthargique du cerveau. Je prends 3000 ans à réfléchir à chaque mot. Donc je vais déjà me faire à manger. Et puis m'habiller chaudement. Et puis déjà aller au moins déposer les colis que je peux déposer et aller chercher le mien. On fait ça? On fait ça. Allez, je suis partie. Alors oubliez tout ce que je viens de dire, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors comme je vous disais, rien ne s'est passé comme prévu. Commençons par le fait que j'ai regardé du coup les horaires de mon gynéco et le vendredi il fait que jusqu'à midi. Comme il était déjà 12h30 quand j'ai regardé, c'était un peu bah, raté pour cette journée et pour cette semaine. Donc je vais devoir y aller la semaine prochaine, lundi. Ou mardi, on va voir ce qui va dans mon planning. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé pendant 1 heure. Et oui, étudiante sérieuse que je suis. Ensuite, il était 14h, du coup, j'ai pu aller chercher du coup mon colis qui était arrivé hier, mais où il n'y avait personne à la maison. Il n'y avait vraiment personne à la maison, du coup, ils l'ont mis là. Et en revenant de ça, j'ai aussi déposé le colis pour mon voisin. Pas les miens parce que j'avais pas de scotch, donc j'ai toujours pas pu les envoyer. Mais je vais aller emprunter du scotch à mon voisin demain. Demain soir. Donc j'irai les envoyer aussi la semaine prochaine. Et en revenant, j'ai trouvé un petit mot de DHL dans ma boîte aux lettres. Encore un. Qui me dit à 12h10, nous avons sonné chez vous et vous n'étiez pas à la maison. Je l'ai en vidéo. J'étais à la maison à 12h10. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait et du coup bah demain je vais pouvoir re-aller chercher mon colis. Heureusement que c'est juste à côté et que du coup ça me fait juste une petite balade avec le chien. Ok, on fait d'abord le colis. Normalement ça devrait être mes ampoules parce que c'est le truc que j'ai commandé il y a le plus longtemps. Et d'après le nom du mec qui l'a envoyé, ça devrait être mes ampoules. Parce que sinon j'ai aussi tous les trucs que j'ai commandé sur Vinted. Et eux, normalement, ils devraient arriver aussi. Je suppose que c'est du coup. D'ailleurs, aussi, je me sens un peu obligée, genre, de me justifier. Parce que je reçois jamais autant de colis que là, maintenant. Et je sais aussi, l'année dernière, quand j'avais filmé les vlogs du mois de janvier aussi, j'avais reçu beaucoup de colis. Il faut savoir que ces 2 dernières années, pendant le mois de novembre et décembre, tout ce que je voulais commander, je l'ai marqué sur une liste. Et je me suis dit, je le commande au mois de janvier. Comme ça me fait quelque chose à déballer avec vous. Comme ça me fait du contenu vidéo. Donc voilà la raison pour laquelle je reçois autant de colis en ce moment. En gros, genre tous mes colis de l'année, je les fous dans le mois de janvier pour qu'on ait quelque chose à faire. Oh, regardez, elles sont trop belles.
Maintenant, on va venir. Oh, c'est magique cette lampe, on voit encore quelque chose. Alors que là, s'il n'y avait pas la lampe, attendez, petit test. Ah, yes. Ah, on est heureux de l'avoir cette lampe quand même, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit, je crois pas, j'ai écrit aux mecs qui vendaient du coup la lampe sur Amazon et ils m'ont répondu et ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer juste la pièce. Moi je trouve ça assez dingue, hein. J'aurais pas cru qu'il me renverrait juste la pièce. Bon par contre il m'a dit que ça pouvait durer entre 15 et 20 jours. Donc je doute fortement qu'on l'ait avant la fin du mois de janvier. Mais au moins je trouve ça grave cool qu'il me ramène juste la pièce et que j'ai pas besoin de renvoyer ça et d'en recommander un nouveau et tout. Parce que ça j'aurais trouvé ça un peu chiant. Mais là c'est tout bien, c'est génial. En gros ce que je voulais c'est des ampoules qui avaient un truc qui tourne à l'intérieur parce que je trouvais ça plus joli que les petits bâtonnets et celles-ci en plus on peut les diminuer leur luminosité et c'est ce que je vais faire, je vais acheter un interrupteur pour diminuer et augmenter la luminosité parce que c'est ma seule lumière en fait dans mon salon et que très souvent quand je suis assise sur mon canapé avec des amis ou quoi ou même le soir je trouve que la lumière des trois ampoules était trop claire et du coup là je pourrais choisir la luminosité qu'il me faut. Et j'en ai pas trouvé des qui avaient ces critères-là et qui étaient rondes et grandes comme les anciennes. Du coup, je vais devoir m'y habituer un peu parce que ça fait pas le même effet, mais c'est quand même très très joli, hein. Oh, c'est trop joli! Ok, donc maintenant on va passer aux plantes. Voilà. Je sais pas du tout par lesquelles commencer. Je suis trop excitée. Donc, on va commencer par une de celles que je viens d'acheter maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Oh mon dieu, regardez-moi cette beauté! Elle est trop belle! Il s'agit d'un philodendron birkin, philo. C'est compliqué de prononcer les noms de plantes. Surtout que moi je suis habituée à les prononcer en allemand, du coup, j'espère que je le prononce bien. Je le trouvais, lui, vraiment sublime, surtout avec les feuilles blanches et tout. Je trouve que ça rend vraiment super beau et il a déjà des nouvelles petites feuilles qui sortent et ça a l'air plutôt robuste comme plante. Donc, ça, je suis très contente. Et il m'a coûté 10 euros. Ça, c'est la première plante. Ensuite, autre plante que j'ai achetée hier pour le coup. Vous allez pas la voir en entier parce que du coup elle a un long truc comme ceci. Elle est aussi tellement jolie. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est une Hoya Compacta Variegata. Je l'ai achetée chez un monsieur qui a plein de Hoya. Les Hoya, c'est aussi les plantes qui sont dans ma chambre, qui sont au-dessus de mon lit. D'ailleurs, c'est trop chou parce que c'est sa fille qui fait ses annonces sur le Bon Coin et tout. Parce que lui, il est assez vieux, mais c'est lui qui t'accueille chez lui. Et genre, c'est genre une grande maison avec plein de bordel à l'intérieur et puis genre plein de plantes partout. Et c'est que des Hoya, mais des Hoya de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes, tout ce que vous voulez. J'étais là, je suis arrivée chez lui et j'ai fait, mais. On peut toutes les acheter. Il m'a fait oui si vous voulez vous pouvez toutes les acheter. Mais je me suis fait, je ferai comme ça et je prendrai tout avec moi. Et du coup j'ai regardé un peu par-ci par-là et celle-ci c'est vraiment celle qui m'a tapé le plus à l'œil. Et elle est juste sublime. Regardez-moi ça fait genre plus d'un mètre. C'est vraiment super beau. Bon, les Hoya, d'habitude, ce qu'on voit souvent, c'est qu'elles sont montées genre en cercle sur des trucs et tout. Et moi, j'aime pas trop. D'ailleurs, celle-ci aussi, elle était montée sur un truc. Et du coup, je l'ai détachée et je la fais juste pendre. Et elle pend juste à côté de mon évier. Et je la trouve sublime. Vraiment incroyable. Et du coup, j'ai dit au monsieur que c'est très fort probable qu'on se revoie. Que je vienne genre une fois par mois acheter une plante chez lui parce que j'aime trop. Tout ce qu'il a et tout, et du coup il fait des boutures lui-même et il recrée ses plantes à l'infini, c'est un truc de malade. La voici, la voilà. Voilà la deuxième Hoya que j'ai eue, c'est une avec des feuilles genre très très longues, très très fines. C'est elle que j'avais vue du coup sur le Bon Coin, la raison pour laquelle je suis allée là-bas, et elle a aussi des trucs genre hyper longs. Et la raison pour laquelle je vais la chercher là-bas, c'est parce que je suis en train de réfléchir à la mettre dans une de mes boules de mes suspensions parce qu'elle est très fournie. Et je pense que ça pourrait faire joli de la mettre là-bas. Je suis pas encore trop trop sûre. Mais elle aussi, genre très très cool. Genre très
atypique. Je trouve ça tellement cool. Et surtout, genre, si je la mets dans une petite boule et que je fous tout, genre l'un sur l'autre et tout, et que ça pourrait faire grave joli. Alors, pour la plante suivante, par contre, on va avoir un petit problème quant au cadre, parce que je crois que je vais devoir bouger, parce que je vais pas réussir à la rentrer dans le cadre, en fait, parce qu'elle est hyper grande. Nickel. Celle-ci. Oh. Le mec de hier, il m'a donné la plante genre, dans un sac poubelle pour pas qu'elle prenne froid. Et du coup, bah, je l'ai réutilisée aujourd'hui. Et sincèrement, c'était grave intelligent de le faire. Parce que j'aurais pas cru qu'elle serait aussi grande que ça, la plante. Là, vous me dites, mais j'ai acheté un sapin de Noël. Oui et non. Ça fait très très beau, je suis avec le hamac et tout, mais je crois que genre c'est trop imposant et ça va prendre trop de lumière. Je vais essayer de la mettre là-haut. Non, ça va pas non plus ça. Bon, on n'est pas à l'abri que je change de position clairement, hein, parce que c'est possible que je trouve que ça fasse trop. Peut-être que je vais le mettre dans le coin là-bas. Je m'étais déjà mis dans mon lit et j'ai totalement oublié que je vous avais pas dit au revoir. Du coup, là, le reste de ma soirée, j'ai pas du tout bossé. Hein. Ça demain. Demain, j'aurai 5 chapitres et puis c'est pas très très grave puisque demain, de toute façon, j'ai pas mal d'heures de train. Du coup, je pensais faire ça dans le train. Donc, voilà. Ah, j'étais déjà en train de dormir. À la place de bosser, je me suis un peu amusée avec ma plante, enfin avec mes plantes. Et je crois que j'ai trouvé un endroit pour la grande plante. Parce que du coup, au final, j'aimais pas du tout l'endroit où je l'avais mise. Genre, ça me dérangeait pas, mais juste, genre, je me disais, faut que je m'y habitue et tout. Et je trouvais que. Ah, je sais pas. Et là, je crois que j'ai trouvé un endroit que j'aime bien. Donc, par contre, c'est dans la salle de bain, donc la pièce où il n'y a pas de soleil. Donc, je vais voir si elle kiffe. On va voir. On va voir, on va voir. Et puis du coup, il faut montrer ça demain parce que on va faire ça dans une meilleure luminosité. Oh, pardon. Oh, je suis ravie, je suis désolée. Donc, moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi, comme à chaque fois. Nous on se retrouve, croisons les doigts, demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein plein de bisous.